tous, c'est bien cette nouvelle vidéo de Mickey, mais on se retrouve aujourd'hui, les gens. Dragon Ball Sparking Zero, ça y est, le jeu est sorti. Voilà. Partout, sur toutes les plateformes et n'importe quelle édition. Ah non, il est pas sur Twitch. Ah oui, bah oui, en même temps. Je crois qu'il est pas sur PS4 non plus, mais on va sur PS5, Xbox, PC. On va oui, dire. Ouais, voilà, voilà, comme ça, on est sûr. Les récents, les récents. On a réussi à débloquer. Ça y est, maintenant, on a compris ce qu'il fallait faire. Et du coup, on est à l'arc-bout, du coup, on voulait faire ça en vidéo. Parce bah que oui. C'est bah trop oui. stylé. Bah donc, oui. on a battu Majin Vegeta. Et vous savez, c'est quand Goku il revient du ciel, il a une auréole. Oui, c'est ça. Et du coup, il est trop stylé. Et on voulait faire le combat contre le gros Bou et le petit Bou. Parce que du coup, on va avoir le Bou gros, après bah, celui lui. Qui transforme en chocolat. Oui, c'est ça. C'est celui-là. Après l'autre qui devient tout maigre. Oui, et après qui devient ouais. tout petit puissant. Oui, c'est ça. Ça en tout cas, faut faire vite avoir de pouces bleus, faut s'abonner à la chaîne, faut nous dire si ça vous plaît, faut nous dire si vous y avez joué, si vous y jouez. Yes. On va essayer aussi de débloquer des personnages. Alors, les niveaux sont très 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 longs oui. à débloquer. Parce qu'on nous a dit que niveau 20 on débloquait Black Goku. C'est vrai que Vegeta meurt là. Ah oui, oui. Oui, oui. Pour essayer d'exploser Bou et en fait ça lui fait rien. Bou il est trop fort. Non mais Bou il est incroyable, j'adore ce perso. Bou c'est le meilleur. Ouais. Sauf qu'il est méchant gentil en fait, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est. Ouais. Oh, avec Babidi du coup. Mais je crois qu'il va. Il a trop une bonne tête en fait. Je crois qu'il va kill Babidi. Hein. Oh là, du coup, oh là, les oh là, ok, oh là. Donc. Alors. C'est bon, maintenant on a compris. Ce que c'est, c'est que Yeo il a fait le combat contre Cell. Ouais, en fait, il faut a... dire ça. Tu fais voilà. Star, tu lis objectif. Réduit la santé de. Voilà, faut pas chercher à faire autre chose. Oui. Donc faut pas que je tue Bou parce que c'est sûrement un truc alternatif. Bah c'est ce qui s'est passé en fait, Guillaume il avait avec tué Cell trop rapidement. Et du coup j'ai refait le combat en faisant rien. Voilà, et donc on a pu faire le combat avec Baby Cell qui était assez fort et on a du coup on est arrivé à l'arc Bou. Et Majin Vegeta. Qui est normalement, ah oui Majin Vegeta. Et normalement c'est le dernier arc de son coup. J'ai pas joué depuis deux jours, je suis allé sur le. On essaye aussi d'avoir les Dragon Ball de Shenron. Ouais, et pour aussi... passer le niveau 20 pour ouais. acheter Goku Rosé. Ouais, enfin, parce que honnêtement, les niveaux, c'est tellement long. Ça a l'air d'être assez long à monter de niveau. Et puis il faut qu'on essaie le mode en ligne, donc si vous voulez ouais. qu'on fasse une vidéo. Bah, on va peut-être tester après, je sais pas. J'ose pas trop, moi. Après, Guillaume, il s'est vachement entraîné par rapport à moi. Allez, le super Genki Dama. Ça va. Oh, oh, il transforme ça, il est trop bien. Pas mal. Ah oui, c'est ultra iconique. Ouais. Oh, c'est ultra puissant. Par contre, faut pas que je le tue, parce que si je le tue, et oui. ben, en fait, ça fait un truc ça alternatif fait, ou ça fera une fin en mode... Après, tu penses que ça fait une oui, fin. Oui, c'est marqué, en fait, ça va à gauche. Ah bah oui, je pense. Bah oui, parce que t'auras pas de combat. J'ai compris comment on se transformait maintenant. Bah oui, non mais ça y est, on évolue, on évolue. Ah et du coup, il a plus le Genki Dama, il a Super Kamehameha. Ah oui. Mais ouais, au début on avait pas tout compris et c'est bon, maintenant normalement on est OP là-dessus. Oh, il est incroyable Goku comme ça. Bah moi c'est le Goku iconique parce oh que c'est... Oh là 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 là. Mon frère regardait beaucoup quand c'était bah, avec les cheveux bouts comme ça, en Super Saiyan. Du coup ça m'a grave marqué, il y avait les petites figurines et tout il y a longtemps. Quoi? Quoi? Ah, tu le passes encore? Ah, mais ça fait automatique! Ah, mais je suis super Saiyan 3! Il est trop beau! Tu sais, ça va un peu nous pro hacker! Ouais, c'est pas... C'est exactement ça! Prends du dragon! Du coup, t'as une autre technique, d'accord? Ouais, c'est ça, mais je vais reviens. C'est ça. Tu veux évoluer après, toi? Non, c'est dans le jeté. Ah, c'est énorme! Oh mais la technique de fou. Oh mais tu vas le tuer. Bah non, il faut pas. Ah il évolue. En fait à chaque fois que tu... Quand t'es Goku comme ça, à chaque fois que tu fais une... Ouais, tu l'évolues. Ouais c'est bon. Là c'est j'avais le kill et du coup oui, c'était alternatif et j'aurais pas été sur le bon chemin je pense. Donc là normalement... Oh, sans Goku Super Saiyan 3. Incroyable. Bon on avance pas. Non les niveaux de joueurs c'est une dinguerie. Je sais pas si on va falloir que je joue encore un petit peu. Bah si tu m'as dit Dragon Ball. Oui si oui sinon Dragon Ball ça augmente ton niveau. Ouais. Babidi, du coup, il va, bah, il va kill Babidi parce que c'est son maître qui l'exploite un peu et puis il l'aime pas. Il s'énerve contre lui. Du coup, il va se transformer. Ouais, Babidi pousse Bou jusqu'au point de rupture, faisant craquer le Bou, assassine Babidi d'un seul coup. Et okay, du coup. Après, avant toi, tes épées impulsées à 5 combinés, Sangoku utilise les Dragon Ball pour ressusciter tous les gens assassinés par Bou. Du ouais. coup, Vegeta. Ouais, mais sauf que du coup, Bou, il va devenir vénère après. Parce ah, que. Oui. C'est pourquoi déjà? Bou mais... désormais réformé vit dans le bonheur à la Capsule Corporation et se révèle un très bon camarade de jeu pour Trunks et Sangoten.
Vas-y. Vous, si vous pouvez facilement réaliser avec moi, mais en France Super Saiyan 3, n'est-ce pas? Imaginez à quel point il pourrait être un level. Ok. Mais attends, mais c'est la fin alternative du coup, ça? Alors, c'est magnifique que Bobby dit. Il est jamais méchant? Attends, t'as fait une mauvaise fin? Ouais, il aurait fait le jeu qu'il est là. Bah non, je pense pas. Tu me dis que ça aurait été vraiment cool de pouvoir affronter Boo à pleine puissance juste une dernière fois. Mais ça, ça arrivera peut-être un jour. Mince. C'est une fin alternative. Il faut qu'il y ait Boo. Mais c'est abusé! Ah! Il utilise les forces de l'ennemi dans le temps imparti. Ça a pas fait le bon truc. Réduit la santé de Boo. Rapidement. Ah, réduit la santé de Boo rapidement. Parce qu'en fait, il a été à bout de souffle trop vite. Ah, mais ouais, non. Ouais, ça va. Allez, faut qu'on y arrive, faut qu'on y arrive. Allez. Vas-y, vas-y. Donc t'as fait la fin alternative, ce que tu voulais pas faire. Ou alors j'ai fait le rapidement. Oui, t'as fait le rapidement. Ah oui, c'est ça. Oui, t'as fait l'alternative. C'est pour ça qu'il est débloqué, là. Mais c'est quoi la différence entre rapidement? Qu'est-ce qui est rapide, en fait? C'est ça le problème, c'est... À partir de quel moment je considère comme rapide? C'est ça le problème du jeu. Mais en fait, c'est... Justement, là, j'ai essayé de prendre du temps pour voir est-ce que... Okay. Ça se trouve, j'ai pas fait le rapide, en fait. Bon, je pense que ça, c'est ouais, bon. C'est justement en fait dans son texte il a dit ouais parce qu'il me résiste bien en tant que Super Saiyan 3. Ah oui. C'est pas fini? Je comprends pas du tout là. Ouais c'est bizarre. Est-ce que c'est bon ou pas? Ah. Mission accomplie, mission accomplie, mission accomplie. Ah ok, ah. C'est bon. Ouh. J'étais pas sûr donc en fait j'étais trop rapide. Trop rapide. Mais c'est insupportable, c'était nul comme des filles. Ok c'est bon. D'accord, je comprends. Et donc là, il y a l'air Piccolo, c'est ça. Qu'est-ce ton problème, Son Goten? Ah oui, tu bah oui. Tu fais un câlin à ton papa avant qu'il s'en aille. Goten avec Trunks, le petit qui fusionne pour faire meilleur perso Dragon Ball. On l'a pas en pop, je crois. Si, Gotenks. Gotenks, ouais. Ah, j'adore Gotenks. Je crois que c'est toujours été mon... Avec les petits fantômes. Non, je m'en souviens pas, je me souviens juste du perso. Mais allez, vas-y, mais j'ai pas regardé Dragon Ball comme toi. Ah, voilà. Donc là, il y a Boo en version Goku, là. Ah, et du coup, ah non, c'est Vegito. Ah oui, ouais. Vegito ou Vegeta Gogeta. Ou Gogeta. C'est Gogeta. C'est quoi? C'est avec les Potaras? Ah, la Potaras. Donc c'est. C'est. Vegito. Vegito, Gogeta. C'est soit l'un, soit l'autre, de toute façon. Allons-y. Ah, du coup, t'as pas du tout l'arc avec le petit Goten, c'est dommage. Ah, peut-être que je débloque là? Vegito. Ok. Il est trop fort ce boost. Donc il faut pas le faire trop rapidement. Réduire la santé. Tranquille. Tranquille. On va y aller tranquille. Ouais. Non mais c'est trop oui, nul. Oui parce que ça se trouve, oui, c'est un alternatif si tu le tues. Oui c'est ça. Non mais vraiment. Super Saiyan. Par contre tu fais pas Super Saiyan 3 Vegito. Vegito. Il est trop lent, punaise! Oui, il a l'air un peu lourd comme perso, ouais. Il est super lent. On dirait qu'il est pas synchronisé, c'est trop bien. Ok. Du coup, t'entends la voix de oui, les deux en même temps, ouais. Et Goku. Voilà. Oh, t'as fait mal. Rayon épée tranchante. Surtout, on joue avec des personnages qu'on a pas forcément trop vus. Et il a fait. Et là par contre ce bout là je n'aime pas. Non il est pas très joli. Il est pas joli et il est pas gentil. Ah oui. Sympa. C'est pas fini. Oh mais ça se trouve ça réduit sa santé rapidement. L'autre. Et ça se trouve ça a été trop rapide. Oh. Ouf. Ah. Il a copié. Ah oui, il copie ah, la technique de Gotenks. Oh non! Marseille! Ah, c'est trop bien! Ouais, mais tu connais pas les. Ah, mais c'est. Oui, mais j'ai. Gotenks qui fait ses petits fantômes.
Je l'ai lu une fois en manga. Ils font n'importe quoi. Non, mais c'est trop bien. C'est pas ça, j'ai trop bien. Après, je connais les persos, mais je connais pas en détail. Mais j'aime bien le jeu Dragon Ball. J'ai trop fait ça. Ah, t'as réussi. Trop rapidement. Le rayon tranchant est trop fort. Très bien, assurant que le plan soit assez dingo pour fonctionner. Ah. T'sais, à chaque fin de combat, t'es... Est-ce que je l'ai fait bien? Du coup, Végéto... Trouve l'ouverture parfaite, puis se laisse absorber par Bou. Il parvient finalement à sauver Gohan et les autres, puis à les ramener à sa Bou, il absorbe, et en fait, quand il absorbe... Ouais, en fait, c'est ça, et du coup, il a dû tout recracher, tout le monde. En fait, il a absorbé Yamcha, il a absorbé Piccolo, il a fait Gotenks, et c'est pour ça qu'après, il peut faire la technique de Gotenks. Voilà, la planète est trop bien. Un petit effet... Je sais pas pourquoi, mais ça fait stylé. Réduit la santé de Bou. Si je vais trop vite, si je le kill, c'est pareil, c'est pas bon. Ouais, Vegeta qui parle. Ils ont pas parlé. Tu dois enlever les paroles pendant le combat. C'est comme Zamasu transformé là. Oh là là, insupportable. Voilà, je vais choper. Ça c'est pas mal. Bam! Dans l'arbre. C'est trop rapide. Il y a vraiment que le combat avec Vegeta en gorille qui était vraiment. Ouais, parce impossible. Qu'en fait j'ai trouvé la solution. Et pour personne n'a compris. Ouais, personne n'a compris. C'est quoi la solution? En fait, il faut faire un close call. Enfin, comment ils appellent ça? C'est en gros, c'est quand tu fais un Kamehameha en même temps. Que son attaque, c'est pour ça qu'il fait des attaques tout le temps. Ah. Et en fait, il faut gagner le duel d'ulti en fait. Ah ouais. Et là, ça a fini pour moi. Ah oui, d'accord, ok. Super meilleur. Oh oh. Yes, GG. Trop loin. C'est juste, touche un peu. C'est un petit. Bon bah Guillaume, il s'est bien entraîné en tout cas. C'est la première fois que tu travailles en autant un jeu de combat d'un Dragon Ball. Je crois. Ouais, mais là, parce du que coup... Fighters, on avait fait beaucoup de combats à l'inverse. Ouais, mais tout était débloqué un peu. Enfin, pas... il y avait C21, je crois, c'est ça. Hein. Ah C21 oui, ouais. Qui est un personnage oui, oui. Tu peux... Kakarot. Et moi, je vais faire simplement pas son coup. Bon, il dit vas-y, achève-le. Ah, bah c'est fini. C'est fini. T'as assez réduit sa santé. Non. Il avait de la vie un peu. Il avait encore de la vie. Ah, tenue de Sangoku. Z. Ah, fin. Yes. Bah, du coup, c'est bon ou c'est pas bon? J'adore ce jeu. Avec Satan. Ouais. Vegeta tente de gagner du temps, mais Bou réussit à le vaincre. Mais Mister Satan débarque alors de nulle part et déclare qu'il la battra Bou en personne. Oui, okay. C'est ça. Ah oui, il expulse le gros Bou. Parce qu'en fait, le gros Bou, il est bien gentil, c'est ça. Ah mais hey, faut que je relise aussi. Bah oui, mais on les a en couleur, mais c'est les premiers pour l'instant. Du coup, on va faire un giga gil Kidama. Mais alors de ouf, et toute la planète. Et en fait, il a réussi à expulser Bou de lui. Du coup, il y a Kaio qui parle en haut. Ouais. Vous pouvez passer non seulement mon terrain, mais aussi l'univers. Donnez tout, c'est tout l'univers va faire un Jikinama pour affronter Bou, parce que c'est une calamité, quoi. C'est encore mieux. Habitant de la Terre, est-ce que vous m'entendez? En fait, il utilise Kaio et en fait, ça oui, répand... Oui, ouais, c'est ça. Demande votre énergie. Allez, vas-y. On aide. Et je crois que je vais jouer... on va jouer Vegeta pendant ce temps-là. Ah non, c'est bon. Non. Du coup, c'est la fin, alors. Du coup, c'est un autre... C'est la fin, peut-être. Sauf qu'il peut rien faire. Et après, il rinfle... Enfin... Faut qu'on revoie et surenchérie. Rien que ça, ça veut dire c'est un épisode entier. Premier dans le manga. C'est stylé, hein? Ouais, c'est stylé. Il se fait... Bah oui, mais en même temps, il est méchant. Ouais. Épisode de fin. Du coup, je pense que c'est bon. Du coup, c'est la fin. C'est la fin de l'arc de Goku. Bah, je pense.
Majin Buu. Et est-ce qu'il faut faire toutes les ramifications pour finir un truc en entier? Du coup, c'est bon, là, il a réussi. Oui, il est revenu, ouais. Ouais, c'est marrant. Non, c'est vraiment bien. Il faudrait qu'on regarde. En fait, il faudrait qu'on regarde tout l'anime. Faudrait qu'on regarde tout l'anime. Il est dit, souvent. C'est long, mais tu sais, on avait bien regardé sur Naruto. Hein. Oui, c'est vrai. Ah, Ub. Ah oui, Ub. Bah oui, parce que c'est GT. Et en fait, du coup, c'est l'arc de GT. Ah. C'est ça. Après. Oh, mais ça continue. Ah, Beerus. Ah, il y a Beerus, j'avais raison. Ah, c'est super. Ah, après. C'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Donc t'as super et ça se trouve t'as GT. Oui. Ub, c'est en fait, c'est en gros, c'est. GT, c'est avant super. Ouais, mais du coup, pourquoi ils ont mis. En fait, tu débloques Ub, c'est un personnage de GT, c'est le personnage principal qui est tout le temps avec Goku. Ah, super. Et GT, c'est plus ah, loin. Ah, super, et GT, c'est 100 ans. Ouais. C'est beaucoup. Ah non, il y a GT et GT 100 ans après, en téléfilm. Ouais, merde, c'était film. Ouais, GT, c'est après. Ah, donc c'est dans le. Réduit la santé de Beerus, dieu de la destruction. Oh bah c'est trop bien. Du coup il y a... Bah, c'est les meilleurs combats. Bah ouais. Boo et Beerus. Et puis après il y a GT, ça va être stylé avec les... En fait dans GT t'as les... Ah mais me spoil pas, si on regarde, faut pas que tu me spoil. Ah c'est ultra bien, en vrai faut qu'on regarde. On va regarder, voilà. Allez. Non, allez vol. C'est parti. J'ai juste celle de santé. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Kamehameha, divin originel. Non. Comment il s'appelle Attends. Super Saiyan Divin. Ah oui. Ouais, mais. C'est bon. C'est quoi, réduit sa santé? Bah oui, il est imbattable, le virus. Tu peux pas le tuer, je pense. Il est où? Des fois, ils sont buggés un peu, les ordi. Pas trop tôt. Il est trop fort. Ah, c'est trop bien. Du coup, en ouais, fait, on continuera peut-être en vidéo parce que ça veut dire qu'après il y aura Beerus, après il y aura GT. Et comme ça, on spoilera pas et puis bah on regardera. Et puis on va regarder les animes entre temps. Ouais. Comme ça, on va être au taquet là parce que là, vraiment, j'ai l'impression d'être nul alors que j'avais l'impression de connaître un petit peu Dragon Ball, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression d'être nul. Bah, tiens, même moi, j'étais en mode. Attends, c'est vrai, c'est ça. Le mec avec ouais, ça fait trop même longtemps. Avec vous, j'étais en mode. Ça fait trop longtemps dans notre esprit là. Oh. Pour Shenron, c'est pour avoir de la défense en plus. Et puis on ira débloquer le niveau 20 parce que je sais pas combien de temps tu mets ou d'années tu mets à débloquer. Non mais en faisant ça on débloquera. Oui mais t'as bien vu. Mais c'est plutôt cool hein. Bon après c'est moi qui joue parce que. Ah non mais c'est laisse tomber, moi je joue pas. Même si elle joue pas Vegeta en mode singe, il arrive pas. Je pense que là c'est bon. Il est assez fort le perso là. Beerus est plus fort. Ouais, Beerus c'est plus fort. Le combat est plus difficile. Ok, c'est bon. Ça va être bon, je pense, sa vie, il va lui rester ce qu'il faut. Ah, okay, c'est bon. Ouh yes. Bah, il était dur celui-là. Hein. C'est bon. Okay. Ouais, ça avance un peu. Ça avance le niveau de joueur. Mais alors, tout doucement. Ouais. Après, t'as peut-être débloqué les Dragon Ball de Shenron là. Peut-être, faut aller voir. Ouais, on va aller voir. Comment il s'appelle, Zeno. Mais ce goût n'est pas parvenu à s'imposer, cette tentative n'a pas manqué de laisser une forte impression à Beerus. Ouais, c'est ça. Du coup, ouais, en fait, t'as okay. fait. Vegeta et Sangoku s'entraînent avec Whis, qui est à la fois le serviteur de Beerus. En fait, et un mentor. En fait il a tapé dans l'œil de Beerus. Ouais, mais du coup, il devient ouais, gentil, parce que du coup, il va l'aider. Ouais. Il a un laps de temps pour dire, ouais, je te battrai plus tard. Oui, oui. C'est pas ça, tu sais, qu'on a regardé le film. Et en fait, il s'entraîne oui, pour oui, refaire possible, un combat. Ouais. Oui, c'est possible. Ouais. En mode. En fait, Sangoku intéresse. Enfin, Beerus. Et Freezer a ressuscité. Ouais, c'est ça, c'est Sangoku intéresse Beerus. Oui. Parce qu'en fait, il est super fort et ça l'amuse de se battre contre Beerus. Oui, c'est ça, c'est ça. Et du coup, pendant ce temps-là, Freezer a ressuscité. C'était ça, du coup, l'arc aussi. Mais reviens, madame, que ça c'est dans Superman, on savait pas ça. Si, moi je l'ai vu, je crois, en dessin, enfin en anime. C'est possible. Bon, faut vraiment qu'on se mette à la page. Est-ce qu'il est diffusé, les Super et Super, oui, on n'est pas diffusé. Super est diffusé le dimanche matin sur cette chaîne et ça fait pas SDV tout. On donc j'ai pas vu tous les épisodes. On n'est pas calé du tout. Moi je suis pas calé du tout en Super. J'ai pas suivi. T'es même pas super calé. Je crois qu'on va arrêter là. Hein. Ouais. T'as vu ce qu'il t'a dit, Freezer? Ça te dérange pas de la boucler? Oui, j'ai vu, ouais. Il t'a parlé, c'est pour moi, mais c'était pour moi, c'est gentil. C'est pour ta blague. Donc, je pense qu'il faut que j'évolue. Enfin, que je me transforme. Ah oui, il faut que je regarde. Alors, survie au combat. Ça va. Donc, il y a un temps et il faut que tu survives, sauf que si tu le tues, je pense que du coup, ça marche pas. Non. Ça fait une fin.
Ok, ils sont transformés tout seuls, j'ai rien fait. Ah, ah bah, oui. Bah oui. Tu vois, on a vu toutes les transformations là. Là pour le coup, là. Là, là, c'est parfait. C'est mis à divin, rupture de limite. J'ai jamais entendu Kamehameha. Il l'a évité, bien évidemment, il était trop loin. C'est juste pour le faire, avant qu'il parte. Oh, bah, il Golden Freezer, viens de là, je suis bête, bah. Bah oui, je me disais. Tu vas te faire éclater! Bon, c'est un arc qui est plus difficile là pour le coup. Je pense que. Ouais, c'est compliqué là. On va juste se transformer sinon. On avait la même encore. C'est pas vrai, punaise! Oh, GG, tu l'as bien évité. Parce que sinon, ça aurait fait mal. Bien. Je sais pas si je. Ah, bref, faut que tu survives. Hein. Oui, donc les dégâts, on s'en fiche. Ouais, voilà. Je pense que ça va être un truc alternatif de kill. Et en fait, ça va faire la fin et c'est pas le bon truc. Pense. Voilà. Je pense que tu vas pas le kill. Oh, quoi que si. Pas mal, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Tu lui enlevais pas mal de vie. Si, je pense que c'est le défi alternatif. Ah, mais là, du coup, il va avoir un laps de temps et dans ce laps de temps, enfin, là, à un moment, ça va couper en fait. Ouais. Voilà, voilà. C'est bon. Donc là, ça a coupé parce que. J'ai survécu. C'est bien, t'as bien lu la consigne. Si, ça avance pas mal quand même. On l'aura peut-être dans, 3 mois. 3-4 mois de jeu. Ouais, ah oui, bon. C'est bon, parfait. On a fini l'arc de Beerus. La résurrection. Ça, c'est bon. Et après, du coup, c'est l'arc Untrod du futur. Ok, d'accord. Donc c'est parfait, là, on s'arrête. Bah, parce qu'on est plus. Et tu vois, là, si on sortait. Ah, il y avait peut-être quelque chose si tu battais Golden Frieza. Ah oui, au-dessus. Tu sortais ouais. Et ça continuait. Donc d'ailleurs, un petit truc en plus. Ouais, ouais peut-être. Propre à Sparkling, mais du coup c'est énorme, non le. Bah l'arc Sangoku est énorme. Hein. Et est-ce qu'on a débloqué d'autres arcs? Parce que du coup on pourrait avoir Gotenks. Non. Freezer, c'est dans Gohan. Ça se trouve hein. Ah c'est dans Gohan. En fait ça se trouve. Non. Ouais. Avec son fils. Non mais ça se trouve tu. C'est là du coup il fallait que je fasse, faut pas que je le batte. En fait il fallait que je continue. Ah oui. Bon je croyais ça tranquille. Ouais ouais. Gohan c'est un peu moins. Bah c'est sympa mais. Non mais là c'était vraiment les arcs, vraiment ça s'est suivi. Ouais, c'est nickel, trop bien. Donc là, Invocation Run, il faut voir si on a des trucs à récupérer dans Défi Mission. Zeno ! On va tout récupérer. On va voir ce que j'ai débloqué. Nouveau titre. Ah, tu peux tout récupérer. Ouais, ouais. Du coup, ça le met à droite. Vegeta. Ah, Vegeta. Ouais, mais c'est des titres. Ah oui, des titres. Des titres, non, j'ai gagné pas mal d'argent. Titres. Je vois si c'est des titres ou des. Bref. Des ennemis. Maîtrise du Kyoka. Le Kyoa. Ok. Est-ce qu'on a débloqué parce qu'on peut débloquer un perso normalement. Ok. Comment on fait pour avoir les Dragon Ball? Parce que j'en ai eu ici, là. Bah, t'as pas vu ce qu'il fallait. Celui-là, il y a des persos débloqués par exemple. Ouais. Si tu regardes, voilà, mission spéciale, personnage, tu vois. Ouais. 9. Et je sais que j'ai. Là, t'as pas du tout débloqué. Non, mais oui, t'es à la moitié. Ah là. Ah. Objectif. Ah, je suis à 3 sur 4. Comment on fait? Je sais pas. Moi, je suis déjà. J'ai déjà eu les 3 premières. Bah, faut nous dire dans les commentaires. Voilà, on va aller juste chercher ça, les cartes de Whis aussi, et on va aller chercher juste la boutique. Et faut nous dire ce que vous en avez pensé de ce petit arc récompense. Ça va être de l'argent. Du coup, on peut débloquer. Tu vois, tu débloques des choses. Ah oui, d'accord, ok. Terminer une mission entraînement, terminer un combat bonus, combat personnalisé, et modifier une carte au joueur. Bah, ça, on va le faire. Oui. Donc là, c'est mon niveau de joueur. Changer les paramètres. Perso favori. On va mettre Whis Person 3, il était bien. Ouais. Le titre. Icône, on va mettre. Bon, on a débloqué ça, c'était pas. Là, le plein de jeu, là. Ouais. Temps de jeu. Temps de jeu. Ah oui. Ah, n'importe c'est le temps de jeu quand tu joues. Mode favori. IA contre IA.
Et du coup, t'as les musiques favorites, le décor favori, la ville. La ville. Et l'arrière-plan, on en a débloqué, le magnifique Shenron. Allez, pas mal. Ça. Et du coup, normalement, tu gagnes une Dragon Ball là. Retour. Ah, Dragon Ball Shenron. Ouais. Ah non, mais c'est ça. Faut faire tout ça pour avoir un Shenron. Ah oui, d'accord. Du coup, là, on a fait 3 sur 4. Donc là, on a eu du coup sur Whis. Sur Zeno. Ah, Zeno, on en a et du coup, eu on a une. La 4. Et on a la 4. Ah ouais, bah, c'est facile. Bah, on fera ça ouais, prochaine pour fois. La prochaine fois. Ouais. Comme ça, on va débloquer. C'est comme ça qu'on les a. Il faut faire les défis de Whis. Et après, c'est juste des trucs, faire un combat personnalisé et tout. On aura les 7 boules de cristal. Et on pourra faire un vœu pour monter de niveau, voilà. Pour acheter Goku Rosé. Voilà, c'est ça. En tout cas, pour faire plus d'avoir de pouces bleus, il faut s'abonner à la chaîne. Et on vous dit à bientôt une prochaine vidéo de Gaming Kim. Allez, salut!